Ah, inspecteur, on vous attendait. Ouais, ouais. Où est le corps? À l'étage. Et qui a déjà vu le corps? Les ambulanciers. Moi et la mère de la fille. Ok, faites-moi un topo. Donc, c'est une fille de 16 ans. Qui s'est suicidée il y a 3 heures environ. Où avez-vous entendu ça? Entendu quoi? Qu'elle s'est suicidée. Je pense que c'est ça. Pourquoi? A-t-elle déjà eu des antécédents psychiatriques? Je ne pense pas. Pourquoi? Il faudra en être sûr. Moi, je monte voir le corps. Ne laissez personne monter. C'est tout? Vous avez déjà fini? J'ai tout ce qu'il me faut. Reste ici en attendant le légiste. Ok, chef. Oui, allô? Inspecteur Jensen à l'appareil. J'aurais besoin de vos hommes pour une affaire de crime. Oui? Oui. Donc ça serait dans un premier temps pour fouiller les données d'un portable. Oui. Ok, parfait. Excellent. À tout de suite. Désolé pour le retard. Bon, voilà la seule piste qu'on a et qui me paraît la plus plausible. Comme vous constatez, c'est un harcèlement moral via Internet. C'est pour ça que je vous ai appelé, parce que vous êtes qualifié pour faire ce travail. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Par contre, j'ai juste besoin du téléphone de la victime. Ok, très bien. Oui, allô? Ok, d'accord. C'est la seule piste que vous avez? Très bien. J'arrive tout de suite. Bon, voilà, je vous ai appelé car je vais réussir à trouver une adresse. Je vous explique en gros d'abord comment j'ai fait, puis après on partira directement jusqu'à la maison. Ça va. Tout d'abord, j'ai essayé de retracer les premiers messages, mais je n'y suis pas parvenu, car le harceleur était protégé par un VPN. Ok. Mais lorsque la fille lui a envoyé une photo d'elle, je suppose qu'il n'est pas parvenu à l'ouvrir, et donc il a utilisé son téléphone qui lui n'était pas protégé. Et c'est grâce à ça que j'ai pu trouver une adresse. Ok, c'est très bien tout ça. Mais maintenant que nous avons une adresse, il faut y aller le plus vite possible. Vous me raconterez la suite plus tard. Police! Ouvrez! Attends, c'est déjà ouvert. Va voir à l'étage. Ok. Allez, venez avec moi. RAS.
RAS. RAS. Oh merde. Alors il savait tout depuis le début, cet enfoiré. Putain. On n'est pas malin. En plus, il nous a laissé un message. Bon, on va voir ce qu'il nous a concocté.